Hello les Douziens, c'est Taré Mental. Tu es un nouveau joueur ou tu reviens du jeu après une longue pause et tu as envie d'avoir le stuff le plus puissant du Crossmose? Alors pour y parvenir, il y a un moyen magique pour que ton équipement soit plus puissant que celui de ton voisin. Et ce moyen, c'est l'enchantement. Mais tu ne sais pas trop comment ça fonctionne ou tu désires en apprendre un peu plus, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais d'abord, l'enchantement, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, l'enchantement est un système qui permet à un équipement d'obtenir des bonus supplémentaires de statistiques et des effets en combat en plus des statistiques qu'elle donne de base. Cela se traduit par un nombre d'emplacements et de couleurs variables, de couleurs rouges, bleues, vertes ou blanches, visibles dans les détails de l'objet que l'on appelle des chasses. Et à ces chasses, vous pouvez appliquer des bonus de votre choix dépendamment de la couleur de celle-ci. Par exemple, les chasses rouges peuvent apporter des maîtrises vélées, distance ou de la résistance terre. Les chasses bleues peuvent apporter de la résistance R, de la résistance O ou de la maîtrise élémentaire. Et les chasses vertes, quant à elles, peuvent apporter de la maîtrise critique, maîtrise d'eau, voire même de l'esquive. Et voire même d'autres bonus tout aussi intéressantes. La seule exception sont les chasses blanches, qui sont très rares et peuvent être considérées comme une chasse de n'importe quelle couleur. Et donc vous pouvez y mettre les bonus que vous voulez parmi tous les bonus disponibles par les autres chasses. Notez aussi que les bonus octroyés peuvent être doublés selon le type d'équipement. Par exemple, le placeron double les bonus de résistance et les amulettes double bonus d'initiative. Donc, quand vous songez à faire un équipement optimisé sur votre builder favori, pensez-y afin de bien rentabiliser les bonus apportés. Mais n'oubliez pas aussi que cela a un prix afin d'appliquer les bonus. Il vous faudra consommer des éclats afin de monter de niveau les chasses de niveau pour que les bonus qu'elles apportent soient plus puissants. Mais n'abusons pas tout de même, car le niveau maximal auquel nous pouvons monter nos chasses dépend aussi du niveau de l'objet. Donc ne vous imaginez pas avoir 9000 de maîtrise dès le niveau 1. Mais du coup, la question qui se pose c'est, mais comment fait-on pour avoir des chasses sur un équipement? Eh bien c'est justement le point qu'on va aborder dès maintenant. Pour avoir des chasses sur votre équipement, il n'y a rien de plus simple. Lorsque vous obtenez un nouvel item que vous venez de dropper ou de fabriquer, il y aura une icône de point d'interrogation sur l'objet. Il suffit de double-cliquer dessus afin de lui appliquer un nombre de chasses allant de 1 à 4 chasses maximum aléatoirement, ainsi que de couleurs aléatoires parmi les couleurs vues précédemment. Autrement dit, un équipement sera plus intéressant en fonction de s'il a plus de chasses de bonnes couleurs dessus. Vous n'avez pas de bol et vous n'êtes pas satisfait du nombre et de la couleur de chasses obtenues? Pas de panique! Et pas besoin de le jeter, car en effet, ces objets peuvent être améliorés grâce à l'atelier d'enchantement se trouvant à côté des banques de chaque nation respective. Dans ces ateliers, vous pourrez retirer les éclats investis dans les chasses afin de changer de bonus, mais avec un pourcentage de perte d'éclats récupérés. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que cet atelier sert à augmenter le nombre de chasses, les couleurs, ainsi que leur place sur votre équipement. En contrepartie, l'atelier vous demandera de sacrifier le même objet et de même rareté afin de vous attribuer 5 charges. Et surtout, n'ayez pas peur de supprimer des objets mi-bibliotés, le mi-bibliote en question se transmettra directement à l'objet à l'améliorer. Chaque charge sera consommée pour chaque action que vous allez faire à l'atelier, notamment pour avoir une chance d'augmenter le nombre de chasses sur votre équipement dans l'onglet Nombre, et en cas de réussite, les chasses précédentes sont conservées et les nouvelles ont une couleur aléatoire. Mais vous pouvez aussi changer la couleur grâce à l'onglet couleurs, qui vous permet d'avoir le même nombre de chasses, mais de changer aléatoirement toutes les couleurs qui sont dessus, très utile pour optimiser afin d'avoir les couleurs que l'on désire. Et enfin, l'ordre, dans lequel sont disposées les chasses dans l'onglet ordre. Vous ne perdez ni les couleurs, ni le nombre de chasses, mais elles changent juste de disposition sur l'équipement. Et avec un peu de chance et beaucoup d'huile de coude, vous aurez la possibilité d'avoir assez rapidement un excellent stuff. Mais d'ailleurs, vous ne vous demandez pas à quoi sert de changer l'ordre de vos chasses? Eh bien ça tombe bien, c'est le point final que je vais justement aborder maintenant. Vous avez toutes vos chasses avec les couleurs là où vous voulez et vous pensez que votre équipement est excellent? Eh bien sachez qu'il existe un pont qui relie la rive qui définit les équipements excellents à celle qui définit les stuffs divins. Et ce pont, en même métaphore, ce sont les sublimations. Basiquement, les sublimations sont des parchemins ou des runes qui se posent sur les équipements vous permettant ainsi d'apporter des bonus supplémentaires de manière basique ou conceptuelle, comme des coups critiques, des pourcentages de dégâts à distance,
ou encore des bonus de résistance selon certaines conditions pendant le combat, pour ne citer que quelques exemples. En fait, il existe deux types de sublimations, les sublimations reliques et épiques, et comme je les appellerai, les sublimations classiques. Le cas des sublimations reliques et épiques, ce sont des sublimations qui se posent directement sur des équipements reliques ou épiques, selon s'il s'agit d'une sublimation épique ou une sublimation relique. Elles apportent des bonus parfois gigantesques, mais selon certaines conditions et sont des fois décisives dans votre manière de jouer, donc pensez à bien réfléchir votre build en fonction de votre manière de jouer, afin de ne pas dépenser des millions pour une rune impossible à déséquiper qui ne vous correspond pas. Car en effet, ces sublimations sont très très rares et se droppent seulement en tant que récompense de ladder de donjon en fin de mois, ou avec une bourse dédiée craftable avec le métier d'ébéniste. Dans le cas des sublimations classiques, c'est plus trivial mais tout aussi intéressant et apporte une multitude d'effets conceptuels pour vous aider à performer en PVM ou en PVP. Elles sont disposables sur tout type d'équipement, mais à une seule condition, elles ne peuvent être appliquées que sur des équipements à 3 chasses minimum, et avoir 3 chasses de même couleur et du même ordre que les conditions d'équipement demandées par la sublimation en question, les blancs pouvant compter comme n'importe quelle couleur que vous désirez. Par exemple, si je veux appliquer une sublimation de ténacité, je dois avoir un équipement qui possède une chasse de couleur verte, verte et bleue dans cet ordre pour appliquer la sublimation. Et pour les obtenir, ces sublimations, c'est tout de suite plus simple. On peut en dropper en stèle des donjons level 70 à 200, dans des mimiques runiques, en donjon toujours, et certaines même sont craftables directement avec le métier d'ébéniste. Il en existe presque une soixantaine de sublimations en jeu, de quoi vraiment optimiser au top niveau vos équipements. D'ailleurs, si vous désirez une vidéo sur les meilleures sublimations selon moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, à la partager ou mettre un petit pouce bleu pour montrer à quel point c'est cool. Et en attendant la prochaine, en voilà d'autres qui seraient susceptibles de vous plaire. Allez, ciao!